Bonjour, et bien moi je m'appelle Alexandre Conan. Je suis élève à l'école d'art Claude Monet depuis maintenant 4 ou 5 ans, exactement à peu près. Je suis également blogueur sur Aulnay. Je m'occupe du site Aulnay Association et qui va devenir prochainement 93-600 Info. Parmi les œuvres que j'ai pu faire pour cette exposition de l'école d'art, le crâne là-haut donc, a été fait à partir d'articles de journaux, de photos qu'on peut se trouver dans les magazines, avec aussi des dorures, des marqueurs. J'ai fait un des os qui compose ce squelette, mais je ne sais plus exactement lequel. D'accord. Combien de temps ça vous a pris pour en arriver à ça? Alors nous, notre coup dure 2 heures. Donc on a dû mettre 3-4 séances pour faire. Donc j'imagine qu'il fallait des connaissances en anatomie. Certainement, pour en arriver là. Ouais. Donc ça a été quelque chose de... D'original, c'était une première. Une première de travailler sur les squelettes, un peu. Mais c'était vraiment une expérience originale et que je ne regrette pas. D'accord. Est-ce que vous avez des prévisions plus tard dans votre carrière, peut-être d'artiste, d'intégrer une école particulière après? Du point de vue pour devenir artiste, j'y ai pensé quand j'étais plus petit, mais ma voix a l'air plutôt de se dessiner vers le journalisme. D'accord. Bah, écoutez, bonne chance pour vous. Et puis, nous sommes aussi à la rédaction d'Aulnay.com, de fervents lecteurs d'Aulnay Association qui deviendra 93 600 Info. Merci.